Arrive le deuxième jour de tournage, le lendemain, et ben on a dormi sur place, on avait pas mal de petites scènes à tourner, de sketchs cette fois-ci, c'était plus la bande-annonce qu'on tournait. Et c'était une manière de travailler complètement différente, c'est-à-dire que là, on avait des chants contre chants qui étaient très rapides, c'est-à-dire quasiment à chaque plan, et ben on avait une blague qui tombait à la caméra. Et donc du coup, c'était hyper important, chaque fois, je réussisse à avoir toujours les mêmes plans. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est allé sur la colline, pour aller justement filmer tous ces plans où il y a Olivia et Maxime qui sont face, et ben à la base, Clément, Maxime, ils voulaient pas faire de plan large pour introduire le début du sketch. Et moi j'étais en mode non, il faut quand même commencer par un plan large et après hop, on va vers un champ contre champ pour voir justement aller chercher l'information, aller chercher le dynamisme et l'action. Bonjour, même moi j'ai froid. Ça y est, ça va mieux, tu reviens parmi nous. Ouais, petit à petit. Vas-y, fais ça, vas-y. C'est compliqué. Ça va pas, de voir Yo-Yo en chemise, donc ça me fait. C'est compliqué les hormones. Ouais. C'est quoi? T'as un petit côté. Mais la meuf de Nick Scamander. Bonjour. Il fait un peu froid aujourd'hui. Et le son, il va jamais prendre du bon son avec ce vent. Donc c'est mort pour le son. Donc je parle dans le vide. Malédiction de sport. Pierre-Joseph répond: mais ce ne sont pas des rêves, Marie. Il enchaîne. Ce sont des visions de l'avenir. Oh non, mais mon joint. J'ai trouvé le lieu parfait. Montez mes pentes. Non. Voilà, on va tous monter, on va faire ici. Oh, on voit pas le grillage derrière? Non. Oh, le grillage, on le voit pas. Toute la matinée, ça a été que du jump, c'est-à-dire que à chaque plan, il se passait quelque chose de différent. Par exemple, il y avait un plan où il y avait Olivia, elle avait un chapeau, il y avait un plan où Maxime, il était avec lui de Batman, un plan où il était avec le vœu de Tuche, il y avait un plan où Olivia, elle était en mode je comprends pas, je sais pas, on a changé de monde. C'était vraiment un tournage qui était quand même assez rapide et assez simple parce que c'était toujours le même plan. Il fallait à chaque fois que moi je réussisse, niveau cadre, pour que le gag en fait il passe au niveau du montage. On passe à chaque fois tac 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 de l'un à l'autre. On avait un truc très précis en tête, c'est qu'il y avait toujours la même scène pendant toute la journée qu'on devait filmer toujours d'une façon différente. C'est-à-dire par exemple, on avait un des sketchs qui était si cette tirade avait été filmée par un homme de petite taille. Il arrive juste à filmer le bassin. Ou bien on avait une tirade où le caméraman, en fait, il est dérangé par quelque chose qui se passe derrière. Donc du coup, en fait, il sort du cadre, il est en train de partir, il va voir des meufs qui sont du côté droit, il doit revenir sur le tournage. Et du coup, en fait, c'était que des sketchs en mode très rapide. Et il fallait qu'au tournage, on ait aussi cette rigueur et ce rythme qui était effréné et qui n'allait jamais s'arrêter pour que le spectateur, en fait, il rigole tout le temps, du début à la fin du sketch. L'un des plans qui était assez drôle à tourner, c'était celui où on était sur un rond-point. Et on devait faire semblant que la scène se passait sur un rond-point, et donc j'étais en full zoom sur le couple. Et derrière, en fait, tout d'un coup, la caméra, tac, je faisais un dézoom. Là, on se rendait compte qu'on était dans une voiture, et la voiture, elle commençait à tourner autour du rond-point. Et c'était assez drôle à voir, en fait, d'un point de vue extérieur, qu'en fait, tu filmes tous les acteurs, le réalisateur, l'ingé son, etc., qui sont en train, justement, de filmer, et que toi, tu filmes, mais depuis une voiture, sur un rond-point dans une voiture, ce qui est complètement ridicule en soi. Action! Pierre-Joseph, ça n'a aucun. C'est vraiment ce matin entre le train de vie. Bien passé, passé, ta nana. Allez, attends, laquelle? Donc toute cette matinée-là, niveau lumière, on n'avait pas grand-chose à faire parce qu'on tournait en extérieur, à l'ombre très souvent. Et du coup, on avait pas mal de branches, etc. On avait pas mal de Mistral aussi ce jour-là. Mais ça se gênait pas parce que du coup, on a eu mouvement, même dans l'image, dans l'ombre, qui bougeait sur les personnes, en fait, qui jouaient face caméra.
L'après-midi, on a commencé à tourner deux fausses pubs qui devaient donner vraiment l'impression que c'était des vraies pubs. Donc c'est-à-dire que là, j'avais tous les clichés qu'on peut trouver dans les pubs de parfum, dans les pubs de bouffe, dans les pubs, tout ce qu'on trouve en fait à la télévision que je devais utiliser pour vendre ces pubs comme si c'était des vraies pubs, alors qu'en soi c'était des pubs complètement fausses. Par exemple, la première pub qu'on a tournée, c'est celle du parfum, mais parfum d'artiste. Et donc d'art contemporain. Et du coup, cette meuf, on la voit, on voit des plans très smooth, on voit des plans très, très fluides, où par exemple la caméra est sur un meuble, on voit Bienvenue, on voit la femme en arrière-plan dans le flou, qui rentre dans le champ, et qui passe sa main sur le comptoir, et la mise au point se fait sur le comptoir et sur sa main qui est en train de traverser. Puis après on a un plan où on est de dos, où on la suit, elle s'installe de manière sensuelle sur la table, puis après on a un plan serré sur elle, qui regarde une pomme de terre, qui commence à la découper. En fait, on avait tous les clichés qu'on a dans les vraies pubs de parfum, où en fait, normalement, on filme la sensualité d'une femme et d'un homme, ou là, c'était la sensualité d'une femme envers une pomme de terre. Voilà. Donc, c'était assez drôle. D'ailleurs, on a eu quelques fous rires pendant le truc, parce que à se prendre au sérieux comme ça, on peut pas avec une pomme de terre. C'est tellement con de jouer la sensualité avec une pomme de terre que tu te dis, tu peux pas prendre ça au sérieux. Voilà. Donc, du coup, en fait, on a enchaîné l'après-midi avec des beaux plans, des plans d'elle qui est en train de passer la pomme de terre sous l'eau, des plans où, elle est en train de se préparer la purée, elle est en train de mettre la purée tout, comme ça, de manière très douce dans son assiette et tout. Bon, c'était, on jouait tout dans la sensualité, le contraire. C'est-à-dire que là, en fait, on donnait de la sensualité à quelque chose qui ne met pas du tout à la base. Et on a ce plan final qui est, pour moi, une réussite totale, où en fait, elle nous regarde face caméra, plan moyen sur elle, beau flou en arrière-plan, etc. Et tout d'un coup, et là, elle plonge sa tête dans la purée. Pouf, elle se relève, et là, elle doit pas rigoler, elle doit pas sourire, et c'est très dur, on a fait ça en deux prises, heureusement qu'on a fait plusieurs tests avant. Elle ne devait pas sourire, elle devait juste regarder la caméra, dire une phrase, recouverte de purée. Donc c'était assez drôle à tourner. T'as eu à l'impact, j'avais un but de rire. Ah mais moi aussi, là je t'avoue que pourtant j'étais en mode sérieux, mais là le bruit, tu m'as fait rire en plus. C'est le bruit qui m'a tué en fait. Ça fait vraiment le... On voit la trace du nez et des yeux. Regarde les yeux. C'est comment? Ah oui, c'est les yeux. Ah, c'est les yeux là, le nez. La bouche. Oh. Elle souriait. Franchement. Elle souriait. Félicitations, vraiment, bravo. Merci. Ça c'est de la comédienne. Actrice studio. Ouais. Actrice mousseline. Attention derrière. Manon, combien on le vend ça? Bon. Il faudrait le faire sécher. Il faudrait le faire sécher, le mettre dans le musée de Radio Sardine. Et on avait une deuxième pub qui elle aussi était assez simple niveau cadre à faire, parce qu'on avait juste un champ contre champ sur une mère et son fils. Et derrière, on avait un plan large qui se transformait en un plan de publicité, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un homme qui rentrait dans le plan, qui commençait à dire sa phrase, passe caméra, qui parle en fait à la caméra, qui donne la publicité en fait au spectateur à travers la caméra. La publicité elle-même, elle est en mode, du coup, votre enfant, il finit pas son assiette. C'est pas grave, parce que vous pouvez appeler notre service et moi, je finirai votre assiette. Et ce qui est drôle, c'est qu'on va rajouter une image dans le plan où en fait, il se montre mince et maintenant, il est gros. Regardez, avant, j'étais comme ça et maintenant, je suis gros. Donc voilà, un week-end qui s'est quand même assez bien déroulé au final, où on a eu pas mal de choses à tourner, on avait beaucoup de plans, et heureusement qu'on avait fait une journée de préparation en amont, parce que du coup ça nous a permis vraiment d'être rapide et de savoir exactement ce qu'on avait besoin. Sur la jeunesse de Francis Cabrel.
Troisième journée de tournage, c'était deux semaines après le premier week-end. Et là, on avait à tourner trois fausses pubs. Alors, on avait deux des trois pubs qu'on tournait cette journée-là qui se passaient dans le même endroit, sur le même divan, avec la même lumière. On en avait deux en tout. On avait une lumière bleue que j'avais posée derrière le canapé pour faire une petite ambiance, un peu comme si on était dans un home cinéma à la maison. En fait, on avait pas mal discuté ce jour-là parce que je voulais mettre une lumière violette à la base, en face. Et on s'est rendu compte que la lumière verte, un peu vert, pas complètement verte, une petite lumière verte, pouvait donner en fait à l'image quelque chose d'assez intéressant. Et du coup, on a choisi de mettre en face une lumière verte pour un peu remonter les ombres, etc. du visage et tout. Et ben derrière le canapé, on avait cette lumière bleue. Et j'avais rajouté même dans le décor des lumières qu'on avait prises à droite et à gauche, des petites lumières, des vraies lumières artificielles cette fois-ci, qu'on voyait dans le cadre, des lumières oranges. Faisait une petite peinture en fait à l'image, donner un aspect, en fait, on avait plein de lumières à droite à gauche, des lumières différentes, et donc du coup on avait des ambiances aussi différentes dans différents endroits de l'image, et du coup c'était assez intéressant pour moi de filmer ça comme ça, parce que c'était différent de ce que je faisais d'habitude, parce que moi je préfère toujours les lumières naturelles. Pour parler justement d'une fausse pub qui parle de cinéma, qui parle de home cinéma, qui parle de 4DX, etc., et ben on voulait donner cet aspect un peu plus futuriste, un peu plus extravagant, en mode regardez, on en met trop. Niveau lumière, je voulais quand même accentuer cette chose, en mode pour que on ait une lumière quand même assez douce, tamisée, mais en même temps qu'il soit quand même assez accentué pour qu'on comprenne qu'on est dans quelque chose de complètement fictif et qu'on est dans une pub surtout. Donc on passe à la deuxième pub qui, elle, est quelque chose de bien plus trash parce que on est dans le 4DX complet, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient chez vous pour vous faire ressentir toutes les émotions et toutes les violences, par exemple, qui sont faites à l'écran. Donc là, par exemple, si tu reçois des coups de coussin, le mec, en fait, il va être là, il va te donner des coups de coussin. Je suis juste comme ça, donc toi, comme t'es de près... Non. En fait, non, attends, comme t'es de près, je fais juste ça. Donc, d'abord, on voit juste les gouttes, tu recules, on voit comme ça. Et après, j'envoie le truc dans la tronche. Je bois et je fais... Ah oui, c'est drôle ça. T'as mis un son, t'es frère. Mais tu balances en mode artistique. Tu vois, comme... Okay. T'es en train de faire de l'artistique. C'est vrai que je travaille. Tu travailles toi, t'es en mode artistique, t'es pas en train de rigoler. Action. Là, à chaque plan qu'on tournait, je voulais vraiment donner un dynamisme et une rythmique beaucoup plus forte que dans la pub précédente où c'était en mode un plan large, un champ contre champ. Là, il fallait vraiment donner un sens dynamique au plan parce qu'il y allait avoir du ralenti, il y allait avoir pas mal d'effets visuels et même des effets un peu avec des plumes, avec de l'eau, avec une tronçonneuse, avec du sang partout, etc. Vous savez, c'est pas facile de jouer la victime. La bouffe, la régie. Et donc du coup on voulait vraiment donner un rythme aux images en même temps qu'on donnait un rythme au montage. Donc c'est-à-dire que à chaque plan quasiment qui changeait, où on voyait une action qui se passait à ce pauvre couple qui regarde un film d'horreur, et à chaque plan, à chaque fois je commençais très souvent avec un gros plan sur la personne pour voir les effets par exemple du vent ou de la pluie ou de l'eau qui est en train de tomber sur eux. Et je faisais un plan qui hop reculait pour découvrir la scène, découvrir le mec qui est derrière en train de balancer de l'eau, ou bien en train de, avec un sèche-cheveux, en train de balancer du vent dans leurs cheveux, etc. Amuse-toi plus avec les sèche-cheveux sur l'endroit que tu utilises. Et action! Donc à chaque fois, on a fait 2-3 fois la prise à chaque fois, parce que justement j'avais besoin de contrôler la mise au point. Le moment où je reculais et qu'on découvrait la scène globale. Et ce qui est assez intéressant sur cette journée, c'est que j'ai vraiment essayé d'utiliser le plus souvent possible le plan serré qui passe au plan large. Petite anecdote assez drôle, à la fin, on avait ce dernier plan pour cette pub où on voyait le mec de la télévision avec la tronçonneuse sur ses genoux, assis sur le canapé, et on avait Maxime mort derrière lui et juste les jambes de la fille qui étaient sur lui. Et on est en mode, on comprend que le mec en fait les a tués littéralement parce que dans le film les gens se font tuer, donc du coup il les a tués littéralement parce que si tu veux ressentir à 100% ce qui se passe devant toi dans un film, il faut que ça se passe réellement. Et on n'avait pas assez en fait de plumes, enfin on avait une personne qui jetait des plumes sur le côté, mais en fait les plumes n'étaient pas assez envoyées assez loin pour qu'on puisse en fait avoir cet effet où il y avait des plumes qui tombaient de partout. Et donc on a demandé au père de Maxime qui était en haut de venir. Et donc on avait Mathieu et le père de Maxime qui étaient là en mode « Bon on jette des plumes
comme ça sur le côté pour que ça vole au moment où je disais action et que la caméra, je faisais un petit mouvement en arrière comme ça pour découvrir un peu plus l'espace autour de ce personnage qui a tué le couple qui est sur le canapé. À un moment, on a même choisi de changer la lumière en rouge parce qu'on voulait donner un aspect beaucoup plus horrifique à la scène pendant que Clément il sortait derrière les canapés avec une hache et qu'il était en train de se préparer à taper les gens. Même pas discuter, on était en mode mais est-ce que ce serait pas intéressant de changer la lumière derrière? Comme ça au moins on donne une autre ambiance, on donne quelque chose de différent et de quelque chose d'encore plus glauque à la pub. Et donc tout le monde en était d'accord, on s'est dit bon bah allez on va faire ça en rouge, comme ça au moins on est tranquille. Et on se dit bah là le spectateur va comprendre que ça va mal tourner pour le couple. Alors vas-y, mets-toi ici pour que je fasse un peu le plan peut-être sur moi. Moi j'ai vas-y, joué avec les dinosaures en même temps. Bonjour, je suis Dylan David. Depuis la fin de la BNB, j'ai beaucoup avancé. Au tout début, j'ai eu pensé qu'on allait me donner un rôle un peu de consistance, quelqu'un d'un peu sérieux. Non, Max. Et au final, pas du tout. Max, il faut que toi tu joues avec les dinosaures, c'est toi qui t'aimes super. Mais j'ai de la qualité avec. Frère, la tasse de café a pris, on dirait que c'est l'étape suivante de l'évolution. Vas-y, regarde ce qu'on a prévu. Et là, t'as une cut. Ok, c'est bon. Ok, moteur. Ça tourne. Ça tourne. Pour le festival qui va passer en juillet, on avait une dernière partie que ça a été une surprise pour moi le jour même parce que c'était pas prévu à la base dans le découpage et la feuille de service. Et du coup, j'ai découvert la scène le jour même et j'ai découvert même la scène en fait en mangeant à midi avec eux. Et du coup, c'est une scène de dialogue qui devait en fait un peu représenter toutes les manières que les deux réalisateurs, Maxime et Clément, voulaient un peu présenter le festival. C'est-à-dire que c'est une discussion entre les gens des Sardines Show, en fait, pour comment est-ce qu'ils allaient préparer cette soirée-là, 7 heures projection au festival. Donc on était parti sur un chant contre chant, assez simple, assez basique, mais je voulais absolument à voir les montagnes en arrière-plan. Donc pour le plan entre Maxime et Clément, je me suis mis un peu en contre-plongée et je me suis un peu collé plus vers Manon que pour eux pour pouvoir justement avoir derrière eux la chaîne de montagnes et avoir les nuages qui passent par-dessus. Et c'était absolument magnifique. Vraiment, on avait, en fait, comme on a une dynamic range dans la caméra, la Sony A7S III qui est quand même assez énorme, on peut récupérer tous les blancs du ciel, on peut récupérer tout le ciel qui est derrière et du coup on a ce plan filmé au 35, c'est-à-dire avec quand même beaucoup de flou, où on a les deux personnes en premier plan et on a derrière les montagnes floues, mais avec ce ciel bleu magnifique avec les nuages qui passent derrière. Enfin c'était vraiment, on a réussi ce jour-là grâce à cette caméra à faire des images absolument exceptionnelles. Le contre-champ sur Manon était pareil, je voulais absolument avoir la montagne derrière et du coup j'ai fait une petite contre-plongée pour justement avoir la montagne et avoir Manon en premier plan. Ça m'a permis vraiment de diversifier plein de façons de filmer, plein de façons de mettre en scène en un laps de temps très serré. C'est-à-dire en 3 jours, on a tourné, 6 choses différentes. C'est-à-dire 6 films, 6 courts-métrages, tous filmés de manière différente. Et tous avec leur propre mise en scène, avec leur propre lumière, avec leur propre personnage. Et j'en retire quelque chose de vraiment très bénéfique et très positif. Parce que justement, ça m'a permis d'aller plus loin niveau lumière. Ça m'a même permis en fait de redécouvrir la caméra Sony, qui en fait m'a vraiment donné envie d'acheter la Sony Alpha 7S III. Ça donne tellement plus de possibilités, tellement plus de réglages à avoir en fait dans la caméra, tellement plus de choses à faire et à découvrir en fait niveau image, que vraiment avoir ce tournage pendant 3 jours avec la Sony Alpha 7S III, ça m'a vraiment redonné envie d'être plus dans la création, même avec la caméra. Et même rien qu'avec les réglages de la caméra, d'être plus dans la création que avec la Canon 250D, qui est une excellente caméra en soi, mais qui est trop limitée. Donc ces 3 journées ont été vraiment très amusantes. On s'est marré comme des fous avec toute l'équipe. J'aimerais remercier Mathieu. J'aimerais remercier les 2 stagiaires qui ont été là et qui ont filmé le making-of que vous voyez. Et j'aimerais remercier surtout Kevin, qui est au montage, qui fait ce montage assez spécial, ce Yo-Yo On Set, qui pour une fois ne sera pas monté par moi. Voilà, donc j'aimerais les remercier parce que sans eux, vous n'aurez pas ces images, vous n'auriez pas autant d'explications, autant d'images sur comment est-ce qu'on a tourné, comment est-ce qu'on a pu mettre en scène ces vidéos et ces films. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et je vous dis à bientôt. Abonne-toi, vite.
Eh oui, faut savoir, mais Kevin, c'est mon stagiaire maintenant.